faire un peu la citrouille sur la droite. Donc là, il faut qu'on fasse 2 et on laisse un espace pour une perle. Courage Sandra, d'avance pour tout ça. Donc 1, on va les fermer tout de suite parce qu'on ne sait pas quand on reviendra de ce côté-là. Donc 1. Deux. Oh, j'ai eu peur. Virginie, merci pour le follow. Bienvenue. Donc 2. Ensuite, on laisse un espace pour la perle. Et là, on va jusqu'aux perles noires, mais il faudra laisser un espace avant. Let's go. Tac. Dans quelques mois, on prépare la liste des cadeaux de Noël. Ouais. Je sais qu'il y en a qui ont déjà commencé les achats du Père Noël et tout. Moi, ça va être comme d'habitude, au dernier moment. Enfin bref. En plus, je déteste ça, mais je galère trop à trouver des idées. Et je dois trouver des idées pour tout le monde, quoi. Pour ma famille, ma belle-famille. Et c'est long. Puis plus les années passent, moins t'as d'idées, quoi. Donc, à chaque fois, c'est un peu la corvée, quoi. Maintenant, j'avoue, j'aime pas trop. Je préfère, quand il faut aider le Père Noël à l'emballage et tout, c'est mieux. Mais franchement, le moment de trouver des idées, acheter, c'est chiant. C'est chiant, chiant, chiant. Ouais, j'imagine pour les ados, c'est... Bah, après, les ados, souvent, ils ont quand même des envies. Après, tu peux pas toujours les suivre dans leurs envies, mais... Souvent, soit ils veulent de l'argent, soit ils veulent la dernière paire de baskets à la mode. Des fringues. Ils ont des idées, tu vois. Après, les gamins, les petits, ils ont aussi des idées, même trop, mais... Bisous, Orchidée! Cette personne a gâté avec des petits à gros projets. Il y a juste mes filles et mon chéri qui n'ont pas de broderie. C'est cool ça, faire des petits cadeaux maison, enfin main comme ça, j'aime bien. J'aime bien. Oui, non mais ouais, après. Bah, après, moi je sais par exemple que moi j'ai grandi sans jamais avoir d'argent de poche et en ayant. Sans avoir de compte bancaire. Donc forcément, moi, arrivé à l'adolescence, bah, je demandais souvent de l'argent, ce qui me permettait de m'acheter mes vêtements. Et j'étais très contente, comme ça, je pouvais avoir des vêtements, bah, des jeans, des trucs, qui me faisaient envie.